Et bonjour! Ma gorge allant mieux, aujourd'hui vous allez pouvoir m'entendre déblatérer sur tout et rien, et surtout rien j'imagine. J'en suis. Donc hier soir on s'est arrêté sur une toute petite mission d'entente. Aujourd'hui je pense qu'on va commencer le scénario. Encore deux. Un niveau, pas d'un. Bon, on va commencer le scénario, on va voir comment ça se passe. Si ça passe. C'est quand même une sacrée progression au niveau des ennemis. Et ça fait mal aux fesses. Je sais pas pourquoi je me fais chier, de toute façon il va y avoir un chargement. Donc autant le faire tout de suite. Et pour aller dans la caserne, on est obligé de passer la porte et d'avoir le chargement. J'essaye d'éviter les trop de chargements. Mais... Le problème c'est que si j'évite les chargements, derrière on se tape beaucoup de randonnées. Putain, j'ai l'impression qu'il monte des trucs. Comme il est mignon le chaton. Et merde, on est trop. J'espère qu'on va pouvoir changer. Ah, ça serait mieux. C'est bon, elle l'a fait. We need you in the hangar now. Commander? It's low. Hey, get away from that. Elma, get your butts over here. What was that all about? Did I hear him talking to Lau? Whatever it was, it didn't sound very good. We'd better get to the hangar ASAP. Bon, pour ceux qui voudraient pas se spoil ce matin, on en est au chapitre 11. Donc, si vous êtes pas là, je ne saurais trop vous conseiller de partir. Je sais, c'est très désagréable. Je parviens même pas de le dire. Mais bon, comme ça commence à sentir la fin de l'histoire, je préfère vous dire tout de suite. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller au hangar sans le scale. Et se retrouver à poil s'il y a un combat. Ba-da-ba-da-ba-ba.
Boy, have you lost your mind? You know damn well what that data means to us, to our entire race! Of course I do. It means an end to this giant lie. I've been waiting a long time for this. Commander, what's going on? Ask Lao. We caught him stealing a data terminal with classified intel. Stealing intel? Explain yourself, Lao. You should have let me die that day, Elma. You knew the truth. That I was a Ganglion spy. What? I had my suspicions. But I didn't want to believe it. Your mistake. And it'll cost you. The data and your newest Skell, the Prague Ares. The Ganglion will appreciate the gift. Boy, I am gonna kick your ass so hard, your real body will feel it. Not if you value your precious data. Wow! What the hell's going on here? Oh, look at this. The whole gang's coming out to say goodbye. What the hell, Lao? Hold your fire. He's got the only copy of that data on his mem. Damn it. Little insurance policy. Sorry, Doug. You'd betray all your friends? Your entire species? Well, I'm no big fan of theirs, believe me. The talking cats or that giant leech. But the Ganglion and I share a common goal. And that is? Think about it, Doug. You know the answer. The hell I do! You've lost it. I lost it all. Goodbye. Lao! Ah mais défoncez le Skell, quoi. All right, what exactly happened back there? Welp, you all know how FrontierNav uses the White Whale's trajectory data to simulate potential crash scenarios, then cross-checks it with our probes to narrow down possible lifehold coordinates. Well, all that work paid off. We finally got enough probes in the ground to accomplish what we've been trying to do. In other words, we can isolate every possible landing zone and scan them to find the lifehold core. What? Oh! Are you certain? That's what the eggheads tell me. Tatsudu, dance of discovery! So what are we waiting for? Lao? I don't get it. I think I do. That's right. He took the terminal that was analyzing the data, and deleted all the backups for good measure.
No, actually. It's a good thing we didn't. No one had any idea where on his MIM he was keeping the terminal. If it was damaged, we'd have to start the entire simulation over again. And there's not enough operating time left on the clock for that. Y'a personne qui s'est dit, oh putain, on va regarder où c'est avant. Then we have no choice. We have to find Lao and recover that terminal. For now, let's assume he's headed for that ganglion stronghold we heard about north of Silvalum. We'll need to hurry. I just hope that Gajarg guy was telling the truth. Everything is riding on this mission. Don't screw it up. That goddamn good-for-nothing guy. What the hell is he after? Qui je vais prendre en quatrième? Putain, je crois que je peux plus. Ouais. Ah, j'espère que je peux récupérer Alexa parce que. Ça va être plus drôle avec celle qui faut que je la monte. Hello Bungola, comment tu vas? Moi ça va mieux, tu peux entendre ma voix qui déraille un peu moins. Ouais, c'est cool, je peux reparler sur le stream. Ça sera légèrement moins calme. Matinale ? Ouais, je suis déjà allé faire des courses. J'ai commencé à ranger chez moi. Je suis en vacances et je me lève aussitôt que si je travaillais. T'sais. Mais bon, toi aussi, c'est 10h, t'es debout, t'es déjà devant l'ordinateur. T'es pas moins matinal que moi. Hein. Je suis de Miranium pour l'instant. Je
Ah, désolé. Bah t'as de la chance si c'est le premier live, c'est le premier mail que tu reçois de la BTD. Moi j'en ai reçu déjà une tonne. Les maillots de bain seraient presque plus habillés que ça. Ah mais t'as l'application Twitch? Ah d'accord. Ah non, ça je l'ai pas mise. J'ai plus de place sur mon télé. Une très mauvaise idée, désolé. Je vais perdre un follower parce que c'est la réveillée. Ça serait tellement énorme. Qu'est-ce que je voulais faire ce matin? La quête. Bah 12 voix. Eh ben. Arrête de me faire des blagues de bon matin comme ça. Faut dormir un peu, hein. Demain c'est le 31, il va falloir faire la fête jusqu'à tard. Ouais, j'ai encore 2-3 préparatifs. Donc je vais encore... encore 2-3 courses à faire pour demain. This reading. It's the Prague Ares. This puts its signature in the middle of the large chamber on the other side of this structure. You think we found Lao then? He can't be far. Ouais, les mécaniques sont assez sympas, mais... Okay. Leur façon de se transformer de véhicule à robot, ça fait très Transformers. Un peu trop, d'ailleurs. I have no idea how to open this. All right. Let's look around and see if we spot another entrance.
how about door up over there? J'organise la moitié, mais dans un appart d'un copain. On est une dizaine. Maintenant, je suis allé acheter de quoi faire le punch. Des petits préparatifs. Acheter les huit, etc. Et toi, tu fais ça où? Je suis obligé de rentrer à pied. Ah mais faut quand même aller l'acheter, bande de là. Et puis si c'est frais, faut aller le mettre au frais. Donc faut l'acheter à l'avance. Je sais, je suis allé chercher les bières tout à l'heure, je les ai mis au frais. J'ai plus de place dans mon frigo. Oups, je crois que l'alarme a sonné. Je te comprends. Moi j'ai un chat qui vient me lever le matin. Il me saute sur le torse jusqu'à que je me lève. Genre c'est pas normal que je sois encore de toucher. Thank you.
Une chèvre? Oula, là. Ça va trop loin pour moi. J'ai du mal à gérer mon chemin alors, monsieur. Non mais tu vis à la ferme, c'est pas possible. Non, mais après, tu le fais comme tu le sens. Moi, perso, dans mon appart, j'ai déjà à peine la place pour un chat. Je vais pas m'abuser à prendre une chèvre. Félicitations.
Allez, un petit déj, après tu vas faire tes courses, après t'es libre toute la journée. Après tu peux geeker, tu peux retourner faire une sieste. Une petite console qui traîne. Petite GameCube. Petite Wii. PS3. Très bonne console la GameCube. Poker. Ah ouais. Ah on les a tous fait les Pokémon. Pas trop lent. Si t'as Piron, c'est le Pokémon. Ça va. Quel celui-là c'est très bon. Le stadium. Ça date maintenant.
me fait vieux, je crois. Nice work. Donc il suffirait que j'aille voir sur l'étagère. Elle est trop loin là. Non mais t'as des très bons jeux sur un petit Mario Galaxy. Tiens, je pourrais le mettre sur la liste des jeux à faire l'année prochaine. Ouais, mais pour aller jeter mon étagère, faut que je pose le micro, faut que je pose la manette. Ah non, la manette. Faut que j'aille jusqu'à l'étagère, faut que je regarde les jeux GameCube. Ah, c'est fou. C'est qu'elle commence à être un peu pleine, les étagères. Il va falloir que je commence à voir pour acheter des trucs. Bon, j'ai clairement pas le niveau pour aller là. On va faire. On va aller fax ailleurs. Du coup, j'aurais fait 40 minutes de live pour rien, vu que j'aurais rien fait. Tout ça pour réveiller Vangola. Là, faut que je trouve un point de pex et que je m'y mette. C'est pas très intéressant quoi, comme live. Faut que je peux rester en live et répondre aux questions des gens. Et y en a pas non plus des millions, donc ça va. Si je coupe le live, je peux me passer de la musique. C'est pas ça, c'est que t'as pas le droit de passer ce que tu veux non plus. Clairement, si je vous passe un épisode de Doctor Who pendant mes lives, ça va pas passer, petit. Il va casser les pieds. Pareil, si je vous mets un album, je sais pas, moi, des Fatal Picard ou Nirvana. Il y a encore 2-3 lois sur les droits d'auteur que tu dois suivre, une fois de temps en temps. Non, non, je monétise rien pour l'instant. Je fais pas un professionnel, je suis pas professionnel de quoi que ce soit. Je fais ça pour m'amuser.
Mais bon, autant être carré tout de suite, comme ça si un jour ça m'arrive, j'aurais pas pris de mauvaises habitudes. J'aimerais bien réussir à monétiser mes lives. Depuis que je suis petit, je veux gagner de l'argent en faisant des jeux vidéo. Ouais, mais ça je peux pas, Vongola. J'aimerais hein, faire des jeux plus connus, mais je préfère jouer à des jeux que j'aime. C'est moins une tannée. Après, vu ma liste de cette année, il y a au moins 2-3 jeux qui devraient plaire aux gens. Mais clairement, moi je suis plutôt joueur de RPG. Mais t'inquiète pas, vu la liste de jeux que j'ai à faire cette année, ouais, y a bien 2-3 personnes qui vont être attirées. Déjà, il y a tous les Call of et il y a tous les Halo dans la liste. Donc à un moment ou à un autre, je devrais attirer des gens un peu variés. Ouais, après les call-off, à mon avis, ça va aller vite, hein, contrairement à certains. Mais en fait, on a tellement critiqué les call-off, et moi j'ai un souvenir tellement vieux de ceux sur PlayStation 2, que pour pas dire que de la merde quand je critique, j'ai décidé que j'allais me les refaire. Comme ça, on fera pas me dire que je les ai pas faits. Après, vu la durée de vie d'un call-off au niveau du mode histoire, je pense pas que ça va me prendre longtemps.
Ah non, non, moi je joue pour l'histoire, après le live. S'il faut que je les fasse offline pour pas déranger les gens, il n'y a pas de souci. Et ils sont dans ma liste, donc ils sont faits. J'afficherai à l'occasion dans les informations sur les lives. Faut que je la mette en ordre pour décider dans quel ordre ça va se passer, mais ouais, faut que je mette la liste. Bah, si tu me proposes un jeu et qu'il me coûte pas 500 euros, ouais, y a moyen que je t'écoute. C'est qui la dernière fois qui m'a conseillé Panzer Dragon, mais le jeu il est juste à 400 euros. C'est pas trop possible de l'acheter. Mais si t'as une bonne idée de jeu, genre un truc pour me torturer à mort et que je l'ai pas déjà fait, y a pas de souci. Pas de soucis. Bon, je te dis tout de suite, les Agarest, je les ai faits il y a 2 ans. Et ils toucheront plus jamais la console. Je les ai emballés sous plastique et tout. N'hésite pas à m'envoyer un message dès que t'as le nom. Ça se trouve, je l'ai déjà en plus. Ça m'arrangerait. Ou alors, ça agrandira ma collection. Salut Stig! Aussi Stig, hein, si t'as des idées de jeu que tu veux que je fasse en live pour me torturer un petit peu. Sa zone.
Bon, ça fait un peu beaucoup pour moi là. On va pas les rouler. On va le tirer à la barre. Ouais, ça aussi c'est un peu beaucoup bon. C'est quoi comme tyran ? Ah non mais c'est pas des tyrans ça, ça. Faut que je trouve une taser au niveau 55 et que je défonce tout pour monter mon niveau. De quoi, le gros monstre sur pattes ou le gros poisson? Parce qu'en fait on a un décalage, donc je sais pas de quoi vous me parlez. Le gros poisson, ouais, ouais, c'est un boss. C'est un. En fait, t'as des créatures sur la carte qui sont beaucoup plus puissantes que les autres. Ils s'appellent tyrans, comme dit Stig. Et qui, en fait, ont beaucoup plus de points de vie, beaucoup plus de défense et beaucoup plus d'attaque.
Là, si je le tape, c'est lui qui va me taper, surtout. Surtout que j'avais pas mes robots. Mais ouais, on peut essayer. De toute façon, faut que j'essaye de monter mes niveaux. Donc, il était à la pointe. Normalement, vu mon niveau et vu le sien, je devrais pouvoir y arriver. Après, rien n'est gagné, mais bon. C'est parti. Bon, au-dessus de l'eau. On s'est pas cassé là. Hop, une cure moi. Est-ce que je peux casser ? Allez voir. Les level 40, il y a une base en Oblivia. Je te la montrerai juste après si tu veux. Sinon, je pense que le combat ne passera pas. Clairement. Il n'est pas à moitié de lui. Pas cette puissance. On va essayer de sauver l'escale. Et donc en Oblivia, je formais ce point là. Le site FN307. Elle est pas si loin de là où je suis. C'est pas loin de la crotte de Rounet d'ailleurs. Donc pas directement là parce que là ils sont un peu forts. Mais juste au-dessus, t'as des petits packs de mobs. Pas de mobs. De monstres par là là. Qui sont au niveau 40-41. Ah ouais, moi je fuis. Quand tu peux pas, tu peux pas. Et tu vois là. T'as des petits packs de mobs qui passent très bien avec tes robots normalement. Et quand tu vois que ça passe pas, bah tu pars. Quand t'en as gros 4-5, sur
surtout au début. Après, quand t'as plus l'habitude. Et là, faut que j'en retrouve une, mais niveau 50. Hein, parce que... Je sais qu'il y en a une en Oblivion, faut adresser et... si ça passe ou pas. Bref, ouais, c'est que quand il y a trop de mechas, c'est... ça devient tendu. Quand il y a que des mecs, ça va. Bah moi il faut que je farme aussi parce que clairement là où je voulais aller ça passe pas. Ah, mais dans un gros dégât sur 25 km. Bon, on va aller chercher le robot de Celica. FK de ce monde. Je sais même pas si c'est possible. Vu ma progression du front nable, il faudrait mettre que des sondes scientifiques là de recherche. Et des sondes de recherche, c'est pas ça tombe pas. Ça tombe pas si facilement que ça. Je sais pas à combien t'es, mais putain, moi je suis à 60 000 par truc, je pense. J'ai une grosse partie du front là, non ? Two, three, four.
One, two, three, four. May the blessings of Kree guide me with these new powers. Ah mais en fait vous m'entendez pas depuis tout à l'heure. D'accord. Ah oui, forcément. Donc oui Steve, je te disais que oui, en effet, j'ai vu on peut laisser les personnages avec leur tenue d'origine, ce qui est assez cool. Surtout quand t'as des personnages comme le commandant ou les trucs comme ça qui rentrent dans ton équipe.
Mais il y a une partie des tenues que j'ai perdue. Machala, elle est un peu jeune pour toi en fait. Je crois que ça sera un crime. Evangola, ouais, elle est un peu longue, mais il y a toute l'année pour ça. Hein. En théorie, si je fais pas de longue maladie, ça devrait aller. Ouais, je comprenais pas moi non plus. Je me suis dit, c'est bizarre parce qu'avec toutes les conneries que j'ai dit en 5 secondes, il y aurait dû avoir une réponse. Ah, je savais pas qu'on pouvait envoyer des petits MP sur le chat. Ah machala, je pense que là, on va se calmer parce que... Même si ça a l'air d'une blague. A tout à l'heure, Vangola. Ah, déjà, on veut. Je sais pas ce que je vais manger à midi. À faire un vote. Dites-moi ce que je dois manger à midi. Ah là là. Putain, ils sont chauds quand même. J'ai pas vu, j'ai oublié de refaire le robot de Celica. Où elle a déjà explosé. Je pense que je vais tirer jusqu'au 31, voir le premier 2 sur le jeu. Même si j'ai fini l'histoire ou pas. Après, je pense que je ferai les armes, mais plutôt en
en offline, quitte à les stream un peu plus tard pour les montrer. Parce qu'en fait, je me suis donné une liste de jeux à faire dans l'année et je voudrais la respecter cette année. Parce que l'année dernière, c'est un peu parti en live. J'ai toujours pas fini Grandia 2 alors que j'ai promis de faire les 3 Grandia. Le truc c'est que dès que je vois un jeu qui me plaît plus, je passe au nouveau et il en soit. Et là il y avait le Tales of qui est sorti en même temps que je faisais le live de Grandia 2. Après clairement je veux le finir le jeu donc je pense que je vais y passer encore un peu de temps. Oh le courage y est ça. J'ai peur de manquer de temps en fait. Avec le poumon et les canons. May the blessings of Clue guide me with these new powers. Bon clairement la base elle est légèrement trop forte pour moi. Faut que je trouve une intermédiaire entre les deux. Et mon chat il est en train de défoncer la porte. Vu l'allure où je vais, à mon avis le 31, j'aurais pas fini le jeu. Faudrait un miracle à ce niveau-là. Je vais aller remettre droit ce que le chat fait tomber. Parce que... Tales of. Fini le Tales of. Les rediffusions sont disponibles. Ouais, en fait, il a juste fait tomber le chauffage, donc ça va. Tu m'as connu un mois trop tard, donc voilà. J'ai fait le Tales of en novembre, je crois. Ouais, c'est ça, la sortie, de toute façon. Ah, il est marqué sur la liste hein, des jeux de chapitre. Ha ha.
refaire Tales of Zestiria. Une partie B alors. Avec tous mes niveaux et tout, parce que... On va commencer le texte là tout de suite, non je le sens pas. Je dois bien le dire, il m'a pris pas mal de temps. Par contre c'est vrai que l'histoire est vraiment sympa. En général, avec un Tales of, on s'amuse plutôt bien. Après, pourquoi pas, hein, tant que le jeu ne m'est pas désagréable, je suis capable de le refaire plusieurs fois. Hein. Avec un jeu de... un jeu de séparation de deux, en plus. Histoire d'avoir oublié une partie de l'histoire. On va voir si avec des équipements un peu plus adaptés ça passe mieux. Ah, je vais pas aller le chercher bien loin, le premier Xenoblade, j'ai l'édition collector, je l'avais acheté Day One à l'époque. Mais ouais, ça peut être une bonne idée. Hein. Le problème du premier Xenoblade, c'est que y a beaucoup de farms et donc il y aura beaucoup de moments où je jouerai offline. Quoi. Parce que clairement, vous faire des séances de farm de 8 heures sur le live. Mais bonne idée. Bonne idée. Je note. Ah, j'ai toujours la manette arcade pour la Wii, ça c'est bon. Non, puis c'est l'occasion de ressortir la Wii.
C'est pas que j'y joue jamais. Alors là, Stig, je vais te donner une idée, c'est monte les deux, et après tu peux faire un mix entre les deux au niveau des armes. Je viens de voir ça en fait, quand t'as le niveau max, tu peux mettre un bouclier et un sabre laser. Pardon. Ouais, enfin 3 ça va être compliqué parce que tu peux pas faire... Tu peux pas faire 3 armes sur toi quoi, mais... Par contre tu peux varier entre les combats. Putain chaud quoi. C'est un élite qui tombe du plafond là. Ouais, après faut réussir à gérer ce que tu veux et à faire un truc pas trop dégueulasse. Mais je pense qu'en mixant des trucs ça peut être sympa. Defensive stance!
Now get in close! Primer! Je vais réussir à le tuer. Le tir concentré, tu les imprimes. C'est passé, j'y croyais pas ça. Clairement, j'y croyais pas. Et toi, Stig, tu fais quoi pour le nouvel an? Si c'est pas indiscret. Allez Stig, t'es jeune, faut penser à faire la fête. Au moins une fois par an. Furious blast! I bet you cover fire! Don't wait to get going! Oh man,
clean up. Now it's my turn. I can't seem to get fired up. Infuriate! Rising Blade! Rising Blade! Grinder! Assault Hammer! Next up, Edge! Tortue. Elle a un légère montant de l'exposition. C'est que tu es et c'est lequel est ton corps en vie. Alors celle-là je l'y attendais quoi. Juste mais ça passe. Par contre, il se focus sur la petite série. C'est le seul mec qui sait travailler. Il sait qu'il faut tuer le petit. Cette année, il y a Final Fantasy qui sort. Sister aussi. Somehow, I knew something like this was going to happen. The clock is ticking. Take it down quickly.
Ouais. Les gars, il est en scale et nous, on est à pas. C'est drôle. Donc ça, c'est ce que je fasse ce que je fais. Celle-là, c'est au corps à corps. Ça, c'est la provoque. J'ai dire que ça, quand même. Par distance, pas de sang de mort. Pas de mort. Ça va pas tout seul, hein, quand même. Je pense que pour finir le jeu, faudrait au moins être niveau 70. What do you think it is? Part of a machine? Silly friends, it obviously keyed to Big Door from before. I actually think he's right. Okay. Wow. Yes, on va aller chercher l'escale alors. This way we can ride our scales in. Exactly. Genre, vous aurez pas du tout besoin de vos scales, les gars, vous inquiétez pas. Go, go! J'ai reçu un iranien, je pense que je vais les recharger mes scales. Allez voir ça, je May the blessings of the king guide me with these new powers. Chercher une bricole. Non, c'est là, c'est là. Thank you.
go. On est dans l'antre de l'ennemi. Non, non, j'étais dans mon robot. I expected no less from an LA's number one team. Ah, ils mettent la lumière pour le combat. Afraid, you know. Even Luxar, their leader, trembles at the idea we might get our bodies back. That's why he had me stick around here, to keep you out of his tendrils. You knew we had no choice. We had to chase after that stolen data terminal. None of this will matter soon. Once they destroy the Lifehold core and all of us with it, this will all be over. You don't sound so excited anymore. Of course I'm excited. Why wouldn't I be? Finally stop living this goddamn lie. We'll all be free at last. We'll all be dead, Lao. How does that free anyone? Instead of reuniting with our real flesh and blood? Wrong. We're already dead, Lao. Our flesh and blood burned away from the earth. Listen, Lao. We don't have time for a debate here. We came here for that terminal, and we're taking it back with us, whether you like it or not. Of course.
wouldn't want to hear this, would you? Or have them hear it? Fair enough. Le mec, il a le nouveau skill super puissant. Phase 2, va s'envoler. This is wrong. Humanity should have We should have let nature take its course and accepted our fate. You don't believe that, Lao. If you did, you would have never volunteered to work on Project Exodus in the first place. Or on the White Whale's crew. Well, I was a believer once. I honestly thought we could pull it off. I knew we couldn't save everyone, of course. Billions of people in that time frame? But a cross-section of races? Religions? Yes, it felt like all the usual politics disappeared. People from different countries had to come together. There was no other choice. This was survival. So I signed up. So what happened? It was all lies. If you weren't rich, or connected, or part of the First World Elite, you got left to die on Earth. What? Oh, yes. The only reason people like you and me got on board the White Whale is because they could use our skills, exploit our talents. But everyone else? All those countless souls boxed up in your precious lifehold core? The same elitist bastards that decided they're the only part of humanity worth saving. No! If you don't believe me, ask Elma. I can't say I agreed with how all the passengers were chosen. But I hardly see how it justifies this madness. We were acting to save the human race. I never understood why humans separate themselves off. By race, by class, religion, country, age. As if it matters in the end. On a genetic level, the differences are insignificant. No, not insignificant. Not to humans, but really. How could you understand, Alma? Sorry, but I won't let those bastards purge what made us human. I'll kill us all first. Lao, look. I admit I had no idea about any of this. But killing what's left of us isn't going to solve anything. It's you playing God instead of them. How is that fair? Don't talk to me about fair. As if fair would happen to my wife and little girl. Oh. That's why I volunteered. I didn't sign up for Project Exodus because I wanted to save the human race. No. I signed up for Project Exodus because I wanted to save my family. We knew there were no guarantees we'd be chosen, of course. We promised each other we'd accept our fate either way. But at least, this way, we had a chance.
We had something to hope for. Hope was all we asked for. But there was never any hope. Not really. The decision was already made. We just didn't know it yet. These scum deserve to die, Elma! No one deserves to die, Lao. Tell that to Charmaine. And Chenxi. Tell it to everyone we left back on Earth. And you knew. You knew they'd seal the fate of all those people. And then you lied. You lied about why no one could know who made it onto this ship until after launch! The decision came down to saving a subset of humanity or total extinction. I stand by that decision. And I'd do it again. Enough talk. I don't expect you to agree with every decision that was made in the past. But I won't let you destroy humanity's future. Fair enough. I don't expect you to agree either. But that won't stop me! Ah non, mais remettez-lui pas toutes ses vies, c'est pas juste. Sérieux? Et un coup bon. No more fighting, Lao, and no more excuses. The data. Go ahead, Elma. Go ahead and shoot, if you're so sure of yourself. Just don't hit the terminal. So,
What's it gonna be? The chest or the head? You've got a 50-50 chance. And the fate of all humanity hanging in the balance. Gotta love those odds. So, what are you waiting for? No, Elma! Not like this! Step aside, Lynn. If I can shut down his mem, there's still a good chance we can extract the data afterwards. No, damn it, that's not even the point! We're all on the same side here! You... You too? Thank you. Elma, listen. I understand Lao's anger. I lost my family to an accident a long time ago. But if someone promised me a chance of saving them, and that was all a self-serving lie, who knows what I would do? Lindy. It's disturbing, and corrupt, and disgusting, and yet, that's exactly what makes us human. Maybe we really should have been wiped out of existence. But then... Lynn. The data terminal. Take it. What? But Lao! I'm abandoning my little crusade. Guess I'm just as corrupt as anyone else. Lao. I changed my mind. Changed your mind? I thought this was about them, but somewhere along the way, it became about me. And about revenge. It's over now. So go. The Lifehold Corps has built in auto defenses. It'll take them some time to destroy it. If you hurry, you might still make it in time. He's right. There's no time to lose. Lynn, can you finish the analysis here? It's technically possible, but without the full NLA mainframe on it, it would take way too much time. Then we have no choice. Let's get back to the city ASAP. Sure. Hop, donc on fait une mission, la prochaine c'est l'heure de lui. As if I could ever set foot inside that city again. It won't be like that. Not once everyone knows the facts, at least. They might not agree, but they will understand. Naive Lynn. They'd lock me up and toss away the key. Or worse, a lot worse. Maybe, but that's on you. You have a lot to answer to. So either way, we're taking you back with us. I'd rather be shot. Come on, Lao. Let's go home. Fine, whatever. But there's no time to evac me. You go ahead. But that's... Elma. He's right, Lynn. Time is running out. We need to move. And fast. All right, then. Lao, we'll send some medics for you, okay? Just stay put. Until then, you're not allowed to die, you hear me? I'll see you back in New LA. Sure. Great, you got it. Now would you go already? Revangola. Okay. Tatsu will split special lunchbox with Lao. Because Lindley says Lao not allowed to die. So Lao stay alive for Lindley or else Tatsu kill him.
Non, faut pas me faire ça, pas maintenant. Not allowed to die. Of course. Des nouveaux gens. Even if I killed myself. Ah, y a toi et moi. Cette style. I just wake up in a new mim anyway. Charmaine, Chenxi, I'm so sorry, girls. It seems like Papa can't come to be with you just yet. Damn it. I'm sorry. You watch over each other until I get there. Ici, je vais pleurer dans pas longtemps. Et comme il a dit qu'il allait pas mourir, ça va là, pour l'instant. Son cimer, je vais le chercher à coup de pied au cul. Tell me you got it. Yes, sir. Thank God. Let's get it analyzed. Commander, hold on. Lao's still back at the ganglion base in Caldros. He's seriously injured. Yeah? And? What exactly are you getting at? I know you aren't suggesting we help that backstabbing bastard. He tried to kill you guys. I am, but... He's been through a lot, Commander. You know his story as well as anyone. When we signed off on Project Exodus, we knew there'd be cases like Lao. Potentially hundreds of them. Look at Irina. She's still struggling with losing her brother. But we moved forward anyway, for the greater good of mankind. Irina didn't try to kill us. In fact, she's been doing everything she can to help further Blade's cause. Are you sure? Hmm? According to Gwyn, she's been acting strange. Reckless. Almost suicidal. He thinks maybe she wants to die. It takes different forms, but it's coming from the same place as Lao. Of course, it's no excuse for what he's done, just putting it in perspective. Fine. We'll bring him in. Oh, thank you. Thank you so much, Commander. I wouldn't get too excited about it. Especially after I break every bone in his body. It's going to take a bit to complete the analysis. Let's regroup at the barracks. Thank you.
Bon, on va voir si on peut rush un peu là. J'aime bien, tu débloques un personnage que tu n'as pas le droit d'utiliser dans les chapitres. Bon, faut dire qu'utiliser le commandant Nagi pour aller chercher l'arche de vie, ça serait peut-être un peu abusé quand même. C'est un petit peu le commandant de la ville. Brave citizens of New Los Angeles, this is your director, Jess, Mauricio Song. Today, I come before you with truly joyous news. News that I have been longing to be able to share with you since we first set foot on this unknown world. Thanks to the tireless efforts of the brave men and women of Blade, we have finally succeeded in securing the location of the Lifehold Core. Now make no mistake, recovery of the Core will not be easy, especially as the Ganglion continue their persecution of our people. But as long as we forge ahead with the same determination and fortitude that got us this far, I have every confidence we will succeed in our mission. We will return to our natural bodies. Désolé, Stig. Take our place as living, breathing residents of our new home here on Mira. Until then, I ask you all to stand together in strength and courage as proud citizens of NLA. Faut pas hésiter, bon gueule. En plus, ça me donne l'occasion de parler. Ce qui n'est pas un exercice inintéressant pour moi, puisqu'il va falloir que j'apprenne à discuter sans discontinuité. Histoire d'animer un peu plus les lives.
C'est ça, ou alors que je commence à parler de mon chat qui essaye de me griffer depuis tout à l'heure. All right, Blades. You heard what the man said. It's now or never. So let's get right to it. Your mission is to secure the Lifehold core and activate its backup power system. We'll have the exact location isolated in the next 2 hours. You'll leave as soon as we have coordinates. We're counting on all of you. Each and every single Blade will participate in this mission. Godspeed. En fait, un peu plus tôt dans le jeu, tu débloques un des commandants de la base comme personnage jouable pour aller dans ton équipe. Et en fait, tu peux jamais le jouer en mission principale parce qu'en fait, bah, t'imagines le commandant de la ville en train de se taper le boulot des larbins pendant les missions. Du coup, il est toujours indisponible pour toutes les missions, quoi. All right, everybody, dig in and don't hold back. I made enough for everyone. Tatsu, help with cooking too. Wow, you really went all out. It smells amazing. Don't go hogging it all, Gwyn. Yeah, whatever. You're one to talk. Cheater, je sais pas en fait, parce qu'il est pas tellement fort. Et c'est surtout que ça aurait été n'importe quoi pour l'histoire. Du coup, ils l'ont débloqué. Enfin, ils l'ont bloqué pour l'émission principale. What in the hell is this? We're going to war here, people. And you know what they say? Can't go to war on an empty stomach. Can't go to war if you're dead either. Même s'il est pas mal puissant, quand même. Je pense que bien monté. For all we know, the ganglion are already at the core, getting ready to tear it apart. You still hungry? If we lose this one battle, we lose everything. We already understand that, Doug. But you heard what Nagi said. We have to wait while they pinpoint the core's location. Like this? You just don't get it, do you? No, Doug. You don't get it. What? You think you're the only one here who's worried? We all are. We're scared to death. That's why we're here. Together. Look, Irina... Lynn is just trying to keep up morale the best way she knows how. Yeah! Pick on Linley and you answer to Tatsu! All right. Look, Lynn. I'm sorry. I'm on edge. Worried, freaked out, all of it. Forgive me, okay? No. But bring me 10 hot cocos, and we'll talk. From that place you love, right? Okay, you got it. Whoa, whoa, whoa! Hey, wait for us! Save some for Tatsu! Help yourself, Deb. Roger that. Oh, man, am I stuffed. I could need another bite. Tatsu cannot move. Amazing as always, Lynn. Thank you. Now I get why Irina and the Commander are always making excuses to swing by. That was delicious, Lynn. Oh, you guys. Don't make me blush. I'm just glad you enjoyed it. Well, I should be getting back. Thanks for the eats. Shall we, Lieutenant? Yeah, we'd better go too. This was really great, Lynn. Thanks. Yeah, this was fun, Lynn. Indeed. It was a most enjoyable food ritual. All right. Good luck out there, guys. Elma, the analysis is just about finished. Gather your team and get over here. On our way. Tu crois que tu vas m'attaquer comme ça? Thank you.
Bon, on va tenter la mission. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, je fais une petite pause. On va bientôt arriver à 2h30, 3h de live. Vas-y, go. Tu veux que j'aille où? J'ai dit un truc et je m'en rappelle plus déjà. C'est pas possible de faire ça. Non, pas toute la journée parce qu'il faut encore que j'aille faire 2-3 courses. Donc je pense que je vais me rester une heure ou deux. Et puis je continuerai plus tard, ouais. De toute façon, aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Attends. Si, j'ai ma sœur qui doit passer un moment. Donc ouais, je vais stream une partie de la journée, je pense. Je pense que je vais arrêter entre 1h et 3h, ou alors... ou entre 1h30 et 3h, je sais pas. On verra. Je vais faire une petite sieste, comme ça, ce soir, je m'y mets à fond. Quoique hier soir on m'a appelé sur Ark. Je sais pas si j'aurai le temps. That's the life hold core? Au milieu de l'océan. Oui, forcément, ça aurait été difficile de trouver. It's no wonder we couldn't find it. It's way out in the middle of the ocean. Did it sink underwater? We'll find out soon enough. Let's suit up and get going. On va enfiler les maillots de bain. Our survival as a species hinges on your efforts. Elma, we need your help. Please save us. We're all in this together, Secretary. My goal hasn't changed since I first set foot on the White Whale. You of all people should know that. I intend to see this through. That should go without saying. I know. It's just, we've put so much on your shoulders. You can make it up to me with a nice long vacation once this is all over. This planet fascinates me to no end. I'd love to take some time to explore it with no agenda. Oh-ho! Can Tatsu be Elma's guide? Of course, Tatsu do it free of charge. It's all over the house. Let me guess. El taught you that one? We sent the coordinates to every Blade team we got. Elma. I want you to act as commander for everyone out there on the field. I'd be honored, Mr. Chief Engineer. I forgot how much I miss being called. Une mission spéciale pour les viewers. Commander makes me feel like some useless old stuff shirt. Vous allez faire mes courses? All right, team, let's go. Roger. Tatsu has lunches all packed. Excitez-vous pas, hein, j'ai pas monté mes niveaux depuis un moment. Je sais pas si ça va passer. On va se téléporter au plus près. Et après, on va faire du surf.
Oula, vu ce qu'il y a à l'horizon, je dirais que l'ennemi s'est déjà installé là-bas, quoi. Ouh, ça explose partout autour. Donc les copains, ils sont déjà aussi. Ou alors c'est l'ennemi qui tire sur le vaisseau. Ah ouais, et puis ils sont pas allés doucement, hein. Il y a tout le monde, quoi. Ça commence à faire beaucoup de viewers. Que j'approche de la fin, que vous venez tous. Car ravi de rencontrer des nouvelles personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le chat est là pour ça. En plus, Vangola répond à toutes vos questions parce qu'il a tout compris à tout ce que je lui ai expliqué. Damn, they got to it already. No, not yet. Look where it meets the water. Is that a force field? The life hold was designed to sustain human life at all costs. The defensive shields that surround the core won't go down so easily. So, in other words... We've nothing to worry about? I didn't say that. Remember, they don't need to break into the core. They just have to keep us out until time runs out. Which is soon. Speaking of time, it's time to kick some ganglion butts. Yes. Yes. Friends kick ganglion in butts. That's the spirit. I need you all at your best. Everyone's counting on us to see this through, and we won't get a second chance. All units, this is your commander, Elma. My team will take point. We'll breach the core, and then once inside, attempt to activate the backup power. Doug, Irina, Gwyn, and Elm, you're with us. All other teams, focus on clearing our approach, then defend our position once we're in. That is your priority, not destroying all enemy craft. Are we clear? Team Grosseter, roger! Trishula, roger! Ningursu, roger. Balma, roger. Team Surtur, roger. We'll take out any hostiles along your approach. Breach team, let's go! Roger! Équipe d'infiltration, allons-y. Niveau 45, ce Brad. Le truc, il fait la moitié de l'océan et on l'avait pas vu. Ah, moi je fais de l'infiltration à l'ancienne. Je tue tous les ennemis qu'il y a devant moi, comme ça à un moment ou à un autre, je m'infiltre. D'ailleurs, c'était un peu mon problème quand j'étais joué. Une fois que je jouais Metal Gear, je voulais jouer Infiltration et ça finissait en Call of Duty.
spotted us. Go! Mind me! This got to be out of my... Putain, je vais perdre un skill, ça c'est pas bon. Ah là, qui a recommencé. Ah, le quatrième qui va partir faire les casses. Et merde. 70 heures chapitre 7. Ouais, c'est à peu près ça. T'as fait pas mal de missions secondaires, t'apex un peu, t'as fait le tour. C'est à peu près le temps qu'il faut en général. Allez, sors du combat que je puisse me TP. Dès que tu veux visiter un peu les zones et t'amuser un peu à te balader, ça prend vachement de temps et c'est là où tu perds des heures de jeu. Enfin, tu les perds pas parce que le multi entre amis là, le j'ai vu qu'il y avait un gros oiseau à tuer en multijoueur.
Fallait recruter des joueurs. Ah, 100%, on en rêve tous. Bah, le problème du multi, c'est qu'il est à peu près aussi abordable que le reste, quoi. Il est plutôt compliqué à comprendre ce qu'il faut débloquer. On va voir si on peut recruter des gens. Non, non, c'est son vrai nom, c'est le commandant Nagi. Tu peux pas rename les autres personnages, tu peux rename que le tien. Et encore, je suis même pas sûr que tu puisses le faire en partie. Par contre, j'ai rename des persos, des skells, dont un qui s'appelle bon, voilà. Alors là, faut voir s'il y a des gens qui vont venir. On va faire un message. Ah, c'était un de mes préférés, Vongola. Maintenant, il commence à être un petit peu faible. Mais je continue à jouer avec pour l'instant. Le temps de modifier tous mes skills. Le problème, c'est que je l'ai eu très vite. Et... 12 heures de stream à la suite. Putain, il doit être crevé, le mec. Je l'ai fait une fois. C'est un peu usant. Quoi. C'est pour ça que je suis en train de changer mon installation, d'ailleurs, pour jouer depuis mon canapé, parce que devant ma chaise de bureau, c'est juste horrible. Tu veux venir chez moi ou dans la mission ? Parce que dans la mission, bah, je sais pas trop comment ça se passe le recrutement en fait. J'ai lancé, après il faut choisir le premier sur la console. Donc normalement tu dois avoir une demande de recrutement de Bacalc qui traîne. Mais j'accepte tout le monde. Je sais pas trop comment ça marche en fait, Metaknight. Et si tu vois ma mission, normalement j'ai fait une demande de recrutement là. Donc elle doit apparaître en haut. Faut que t'ailles voir dans la salle de mission. Dans la caserne. Ami.
Allez, bon appétit, mon gueule, à tout à l'heure. En ami. Mon profil Wii U, il y a peu de chance, je pense. Mon profil du jeu, oui. Et j'arrive pas à accéder au menu de la console. Je peux même pas vous donner mes infos. Mais vous voyez pas de mission en attente là. Salut Dolly. Salut Nightblast aussi. Désolé, je t'ai pas vu au milieu. Va y passer à l'as. C'est ridicule s'il faut être ami pour avoir du recrutement. Parce que dans ce cas-là, tu recrutes quasiment jamais. Parce que soyons clairs, la Wii U, c'est quand même pas la console la plus vendue du marché. Enfin, moi, sur mon cercle d'amis personnels, il y en a pas beaucoup qui ont une Wii U. La même, enfin si deux. Donc en gros, tu fais jamais l'online parce que t'as pas d'amis. Pour ça, c'est pas normal. D'accord. Donc définitivement, je trouve ça bizarre. Je vois vraiment pas comment fonctionne ce système online. Ou alors, faut aller dans l'escouade des amis quand tu te connectes. Pas par libre, payé. Ok, je veux bien que t'essayes Night. Après, ce matin, je sais plus dans quelle escouade je me suis foutu. Je crois que je me suis foutu dans la deuxième. La première, c'est celle de l'Arche. La deuxième, c'est celle de la Conquête, je crois. Bon, en théorie, là, je suis connecté, hein. De toute façon, la mission en solo, elle est pas possible. Je vous le dis tout de suite, j'ai essayé une fois. Je lui ai enlevé un truc comme un quart de ses vies, quoi. Ouais, à 3, ouais. D'accord, la première, c'est bien le TC à la... Le Télésir. Je vous ajouterai bien tous en ami, mais j'arrive pas à accéder aux fonctionnalités Wii U là pendant que j'attends. Si je sors de tous les menus, est-ce que ça passe?
Ouais, c'est ce que j'ai mis, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'attends. Je peux abandonner et relancer pour voir. Hein. Ah, maintenant je peux accéder aux fonctionnalités. Liste d'amis. Tu m'as dit que c'était Akira. M'avait bien dit Akira. T'as pas un chiffre, une connerie à côté, hein. Parce que ça passe pas à Kira. Putain, je vais avoir plein d'avis Wii U. Ça servira peut-être à l'occasion. Parce que quand j'essaye de rentrer à Kira, ça passe pas. Okay. Non, ça veut pas. Par contre, on va commencer à être beaucoup là. Je crois que c'est 4 hein, l'émission, les gars. Ah, Joe, ça marche. Et donc, un dernier qui m'a donné...
J'aime beaucoup vos mi en tout cas, ils sont vraiment sympathiques. Bon après faut qu'on se rejoigne tous dans une même escouade si je me rappelle bien. Donc c'est où on choisit l'escouade des amis. Je vais sauvegarder et relancer comme ça. Je vais vérifier qu'il n'y en a aucun de vous qui ait lancé une mission. Pour l'instant non. Il n'y avait pas un moyen de retourner sur le menu de départ. Ah, on va commencer comme ça. Commencer par créer un truc. Mission d'escouade. Le gardien de la planète. Accepté et recruté. Tu m'as rejoint ? Je suis même pas encore prêt. Ah non, t'as accepté mon invitation. Donc ouais, mon identifiant visiblement c'était Bashu. Donc j'accepte toutes les demandes d'amis, il y aura pas de problème. Je demande juste qu'on me spamme pas entre toute la journée. Donc j'ai créé. Après, on n'est peut-être pas dans la même escouade entre l'Arche de Vie et... Je reviens une seconde, il y a mon chat qui pète un plomb.
way. We did it. Over here. Hey there. Nicely done. Ah mais en fait depuis tout à l'heure je parle dans le vent, mon micro était coupé. Donc oui, fatalement. Donc je disais, méta, c'est pas une récompense de... Ah c'est le niveau de Blade. D'accord, bon bah j'ai rien à dire. Qui est Alex? Donnie je vois, y'a pas de soucis. D'accord, Raoul, t'arrives pas à nous rejoindre non plus. Man, does that feel good. Well done. Ah, Light qui arrive. Et y'a Stig aussi qui arrive. Alors, on va être un peu beaucoup là, les gars, je suis désolé. Attends, ça m'inquiète un peu ton histoire de médaille quand même. Médaille. Alors sur internet, ils disent que pour gagner des médailles de Blade... Bon, on va essayer, on est 4. Certains joueurs ne sont pas prêts. Faut que vous cliquiez sur la porte, je pense, les gars. Donc ils disent sur internet que pour gagner des médailles, il faut recruter des gens à l'extérieur et... Ça marque que certains joueurs ne sont pas prêts, les gars. Y'a rien à faire sur la porte. Non? Ah, je sais pas là. J'espère que ça lance. Je vais me retrouver tout seul, ça va me fatiguer. Ouais, donc sur internet, ils disent que pour les médailles de Blade, il suffit de recruter des joueurs à l'extérieur et que ça donne des médailles de temps en temps. Sur le terrain. Tu sais, tu rencontres des joueurs régulièrement. Mais dans ce cas-là, il doit pas, enfin, je dois pas en avoir beaucoup dans ce cas. Putain, niveau synchronisé. Don't worry, I'm almost ready. You'll be entered.
Ah ouais, non mais le truc il prend super cher quand on est 4 en fait. Bon, j'espère que vous réussissez vos B plus que moi parce que c'est un peu le festival de la loose. Tu rencontres régulièrement normalement Beta sur ta carte de jeu des personnages de joueurs, tu sais, qui attendent. Il faut que tu demandes les soutiens de division, les choses comme ça en fait. Et tu gagnes des médailles petit à petit. Enfin, moi c'est comme ça que je les ai gagnés parce que j'ai recruté qu'une fois un joueur de mon équipe et ça a pas duré longtemps. Allez, relève-toi. Allez. On va reculer, regarder les autres jouer. On a 2-3 samouraïs, visiblement. Ouais mais Stig en fait c'est pour gagner des médailles pour pouvoir participer aux quêtes en multi. Il a encore envie lui. Laisser allumer, penser. Je suis en train de penser à une bouteille de scotch. Est-ce que tu peux aller me la chercher, Stig? Dans la division ou les divisions, Meta. Normalement tu rencontres plein d'avatars de joueurs sur ta carte quand tu te balades. Tu leur parles et en fait t'as recruté ou alors t'as demandé le soutien de la division. Du coup tu demandes le soutien de la division à chaque fois que t'en rencontres. En plus c'est pratique, ça donne des bonus d'attaque ou de défense. Mais je savais pas que les médailles jouaient sur ça. Est-ce qu'on va réussir à lui défoncer cette putain d'aile avant qu'il meure? Move in!
Putain, le machin, il a un paquet de PV. C'est quoi, ça fait 3ème mort qu'on descend? À part une fin de baisse. Non, ça se fait qu'il s'envole pas la dernière fois, mais il a pas arrêté de voler. Quatre soutiens de division. Putain, mais il meurt jamais ce machin. C'est-à-dire qu'on a perdu, c'est ça? Attends, le machin, on lui a descendu 6 ou 5 ou 6 barres de vie. Et il en avait encore. Et ça, c'est pour tout le monde ou c'est pour... C'est juste pour moi, ça. En fait, j'ai pas tellement envie de tous vous ninja, quoi. Tout prendre ou tout vendre. Écoute, moi, je vais tout prendre. D'accord. Bah, j'ai pas tout compris non plus, Donnie, je t'avoue, là. À part s'il faut lui enlever 75 barres. Okidoki. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter là, parce que ça fait 3 heures que je live et que j'ai des courses à faire. Dorénavant, si vous revenez et que vous voulez faire des parties en multi, je me mettrai dans la première escouade. Je sais plus c'est quoi son nom. La toute première dans la liste, quoi. Donc si vous vous mettez sur cette escouade et que je suis en live, vous pouvez venir, on fera des lives, des multi si vous voulez. Il n'y aura pas de soucis. Je reviendrai vers 16h, je pense, parce que j'ai rendez-vous avant. Donc peut-être vers 16h.
il faut lui enlever des milliards de barres qui sont répartis sur tous les joueurs du serveur. Ah d'accord, en fait c'est une mission collaborative sur tout le serveur en fait, d'accord. Mais cet oiseau il y est hein, en solo aussi. Hein. Parce que cette zone, je l'ai découverte il y a un moment là. Et je suis sûr que je l'ai vu cet oiseau. C'est dans Noctilium. Je te remercie, ouais, je vais peut-être manger aussi, ça peut être sympa. Parce que si je me rappelle bien, ouais, regardez, il est en haut là. C'est lui. Non, j'ai carrément pas pu finir l'histoire, Stig. Je suis arrivé à un endroit où ils m'ont défoncé mes skills, mais à vitesse grand V. Donc j'ai arrêté, et puis on m'a proposé de faire un multi, donc j'ai fait un multi. Et donc en solo, c'est un niveau... Niveau 99. Telesia le faucheur. Bon les amis, je vous souhaite un bon début d'après-midi. Je reviens vers 16h. Je vais mourir forcé de récupérer l'XP. Ah oui, bah ça de toute façon, moi j'avais arrêté d'XP là pour une mission. J'ai pris 0 niveau du coup, bah... Je viens de voir ce qui s'est passé. Là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reviens tout à l'heure, si vous voulez revenir, on fera un multi ou deux, ou alors je peux extraire, on verra. Ça dépendra de ce qu'il y aura sur le live. On se voit tout à l'heure.